rien ne me permet d'affirmer que François Hollande, avant la révélation des faits, ait été au courant du compte caché de Jérôme Cahuzac. Il l'apprend par vous-même. Il l'apprend par nous-mêmes. Il met longtemps à... Bon, un peu à l'image de ce qu'il était, François Hollande, avec un art consommé du louvoiement, de pouvoir serpenter comme ça, d'essayer de s'en sortir, d'être un peu... voilà. Bon, il a fait à moitié la sourde oreille, jusqu'à ce que le parquet enfin se saisisse du dossier et vienne par son enquête judiciaire confirmer nos faits. Sauf que entre temps, et c'est là il y a un angle mort de l'affaire Cahuzac qu'on a oublié totalement, c'est que qui met gravement en cause. Donc non pas avant la révélation des faits, mais après, le gouvernement, et par conséquent le président de la République. Mais surtout le gouvernement, et surtout un ministre, qui est aujourd'hui pas n'importe qui est le commissaire européen, qui est l'un des commissaires européens à Bruxelles, qui est Pierre Moscovici. Parce qu'on oublie que pendant l'affaire Cahuzac, pendant que la justice enquêtait, c'est-à-dire pendant que le procureur de Paris avait le monopole de l'enquête judiciaire sur les faits, dans le dos du procureur, secrètement, le ministre du gouvernement, ministre de l'économie, qui était le ministre de tutelle de Jérôme Cahuzac, qui était en plus son ami, a fait sa propre enquête administrative secrète en envoyant des mauvaises questions aux autorités suisses, dont la réponse est revenue en France en disant « Monsieur Cahuzac n'a pas de compte en Suisse ». Et qu'est-ce qu'a fait Monsieur Moscovici quand il a eu cette réponse? Il l'a donnée discrètement aux policiers et aux magistrats. Bon, en un mot, ce qu'il a tenté de faire, et ce que le gouvernement a tenté de faire, c'est de saborder l'enquête judiciaire. C'est de couper l'herbe sous le pied du procureur qui enquêtait déjà sur les faits. Imaginez que le procureur de la République, qui est en France, est statutairement lié au pouvoir exécutif. Il est soumis au pouvoir exécutif. Imaginez que ce procureur, il se dise bah, « Pour la suite de ma carrière, en fait, je vais prendre pour argent comptant ce que le ministre me met sous le nez. » À savoir cette réponse des autorités suisses, il n'y a pas de compte en Suisse de Jérôme Cahuzac. Parce que les Français et le gouvernement ont posé des mauvaises questions aux Suisses. Il ferme son enquête, il dit « Fin, c'est fini ». Fini, il n'y a pas de compte. La réponse est arrivée de l'administration suisse. Fin de l'enquête, je classe sans suite. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous aurions été des accusateurs, des calomniateurs, des diffamateurs. Et la vérité aurait été, entre guillemets, la vérité dans le camp de M. Cahuzac. Il aurait gagné cette histoire. Et nous aurions été le pire du journalisme. Et lui serait peut-être devenu Premier ministre. On disait qu'il allait devenir Premier ministre, etc. Donc il s'en tient parfois, malheureusement, eu égard à la faiblesse de nos institutions et à la faiblesse de l'indépendance de nos institutions, il s'en fait parfois peu pour que le mensonge devienne la vérité et la vérité le mensonge. On peut se tromper, mais on essaye vraiment de se tromper avant de publier, pas après. Alors, néanmoins, la réaction de Jérôme Cahuzac, en effet, droit dans ses bottes, les yeux dans les yeux, en bloc et en détail, qui sont toutes des expressions qu'il a utilisées, était déroutante, sa façon de réagir et la force de conviction qu'il pouvait mettre. Moi, des ministres m'ont raconté après qu'à chaque sortie du Conseil des ministres, pendant qu'on avait fait nos révélations, il prenait les ministres un à un, en tête à tête, et il leur faisait tout un plaidoyer pro domo pour dire à quel point il était innocent, c'était affreux la cabale de Mediapart contre lui, que nous étions des sales procureurs et tout. Et les ministres concernés étaient déroutés par la sincérité qui se dégageait de ses mots et la force de conviction qu'il avait. Il n'y a pas de doute. Et c'est quelqu'un de redoutablement intelligent, une mécanique d'esprit d'une puissance assez inédite. Et évidemment, moi, je n'ai jamais rien eu contre la personne Cahuzac. Je veux dire, moi, ça ne me fait pas plaisir de voir un homme aujourd'hui devant les juges. Je n'ai pas de jouissance professionnelle à ça. En revanche, ça dit quelque chose au-delà de son cas personnel, de nos institutions, de notre faiblesse à l'époque, même si elle a été renforcée depuis, de la lutte contre la fraude fiscale et les enjeux politiques et citoyens et même financiers et économiques qu'il y a derrière ce thème qui était un peu caricaturé par l'affaire Cahuzac, en résumé l'histoire du pompier pyromane, quoi, celui qui doit lutter contre la fraude fiscale, qui est en fait un pro de la fraude fiscale depuis plusieurs décennies.